sérieux. Ah oui, c'est vrai. Salut à tous, ici Profitroll sur la chaîne The Dragon Press. On se retrouve dans ma base. Je sais même pas ce que je fous dans les chiottes là. Aucune idée. Pourquoi je suis dans les chiottes? Je peux faire caca? Non. C'est quoi ça? Tonico? Il y a un dessin bizarre. Hein. Dog shit. Ah ouais, c'est vulgaire quand même. Sibs. Corolive. Bah non, on s'en fout, on vient pas de Corolive, on vient de chez... comment ça s'appelle déjà? Je me rappelle plus. Fictis, un truc comme ça. Bon, il n'y a plus de courant la dernière fois. What the fuck? T'es qui toi? C'est moi ça? C'est mon perso, ça se trouve. Waouh, c'est chelou. Ouais, mais du coup, j'ai plus rien. Du coup, j'ai plus rien. Alors, excusez-moi, c'est Profitroll sur la chaîne The Dragon Press. On se retrouve sur Satisfactory pour la suite de la base, hein, tout simplement. Et en fait, j'ai un souci, c'est que je voulais enregistrer le jeu. Et d'ailleurs, on va quand même le faire, je pense. Enfin, je vais essayer. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai pas internet. Parce que Orange a décidé de faire une maintenance sur la ligne, du coup, en tout cas par chez moi. Et du coup, j'ai plus internet de la journée. Et je me suis dit, c'est pas grave, de toute façon le jeu on peut jouer en solo. Je peux enregistrer quand même. Et continuer la partie. Je peux juste pas upload sur YouTube parce que voilà. Et en fait, je peux absolument rien faire dans le sens où... tout mon stuff est dans mon personnage en ligne, et vu que j'ai créé la session du coup hors ligne parce que j'avais pas internet, du coup je me retrouve avec un perso qui a pas qui a rien en fait. Du coup j'ai plus d'épée, j'ai plus rien, donc niveau charbon je vais pas pouvoir faire grand chose, mais bon je vais essayer quand même. En sachant qu'il n'y a plus d'électricité non plus, parce que j'avais plus rien, et j'ai pas la tronçonneuse, j'ai rien pour couper. Donc voilà quoi. Comment dire que ça commence pas mal. Il y a de quoi m'occuper pendant un petit moment. Le problème c'est que ces machins là, j'en ai récolté deux ici, mais il y en a plus que ça, mais j'en ai récolté deux et je sais pas à quoi ça sert. Ils disent travailler en cours, analyser cet objet ne vous donne rien, mais en même temps, l'avoir dans l'inventaire, ça donne rien non plus. Ah, par contre, j'ai un repose. Ils m'ont donné quand même un repose Xenos sur mon inventaire. Ah, ça c'est cool. Au moins, j'ai un truc pour me défendre. Donc, si je vais pouvoir quand même faire. Je vais pouvoir me défendre, donc je vais pouvoir faire le truc là-bas. Inutile de faire une épée, hein, je garde ça. Et quand je vais déconnecter, je vais le mettre dans le coffre, comme ça j'en aurai un d'avance. Je me déconnecterai beaucoup plus loin de la base pour pas que mon corps reste comme ça. Si c'est possible. Donc c'est possible d'avancer dans le jeu. Le problème c'est que tous les matériaux de construction que j'avais, tout est dans mon corps. Sauf que je peux pas looter mon corps. Et je vais pas me buter pour récupérer ce qu'il y a dessus, hein. On va pas faire ça quand même. Donc là la production forcément s'est arrêtée. J'ai quand même un peu de tube, alors je vais tout prendre. J'ai un peu de tube là. Là lui il fabriquait à fond et il m'a fabriqué des tubes aussi. Super génial. Alors j'ai masse tube mais j'ai pas de plaque. C'est un peu ballot ça. Du coup niveau plaque on va ramasser ce qu'il y a là. Hop 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 hop. On va tout ramasser. Il y en a encore pas mal là-dedans. 85. Ah ouais, je prends tout. Voilà. Voilà, voilà. On va faire pareil avec l'autre. Hein. Parce que du coup, vu que tout est arrêté, je vais fabriquer moi-même. Je vais pas m'embêter.
Merde. Elle aussi, elle est pleine. Ah ouais, quand même. Pas mal. Hop. Du coup, il en reste qu'un, alors on va pas aller le chercher. Hein. Du coup, j'ai ces deux-là. Et lui, par contre, il a tout poncé, lui, la vache. Il y en a que 6, on va les laisser. Bah, le cuivre, normalement. Voilà. Le cuivre, normalement, je devrais pouvoir à peu près m'en sortir. Faut que je prenne des câbles, quand même. Je vais avoir besoin de câbles. Hop. Je vais avoir besoin de ciment aussi. Est-ce qu'il y a du ciment? Ah, ça, c'est pas sûr. Parce que la dernière fois, j'avais tout pris. Est-ce qu'il y a un... Oh oui, c'est bon, c'est bon. Je croyais que j'avais tout pris, mais non, il en reste encore. Alors, on va rassembler ça là. Si je fais ça, est-ce que je peux fabriquer... Par contre, du coup, je peux pas faire les pompes à eau, les gros trucs, quoi. Les générateurs à charbon... Et les pompes à eau, c'est mort. C'est dans production la pompe à eau, ouais, c'est là. Ouais, non, tout ça je peux pas. Alors j'ai du cuivre, mais j'ai pas les plaques renforcées et les rotors. Je pourrais les fabriquer, mais vu que j'avais tout exprès, je me vois pas refaire. Parce que après, du coup, j'ai du rab. Ça servira toujours, mais bon. Ouais, bof quoi. Non, là, je vais préparer les. Les répartiteurs, tout ce qui est convoyeur. Par contre, je peux faire que des MK1 pour l'instant. Les MK3, je les ai pas débloqués. Et après, on va essayer de commencer à faire la base. Avec la fondation déjà. Et ensuite, on n'aura peut-être pas assez parce que ça demande pas mal de ressources. Donc voilà. Et ensuite, on verra si on peut faire un peu d'électricité, un peu de ci, un peu de ça. Mais on pourra pas faire grand-chose, à mon avis. On va être limité. Voilà. Après, si, il faudrait à la limite que je fasse un peu de carburant pour que les machines produisent. Mais disons que j'ai pas de constructeur pour les plaques renforcées, tout ça. Donc, c'est un peu la merde. Et mon réseau est trop gourmand. Il est beaucoup trop gourmand. Je pourrais faire un truc, à la limite, c'est retirer tout ce qui est câble. Les câbles, il y en a trop. Trop, on n'a plus besoin. On va enlever celui-là. On va enlever celui-là. Voilà. Et celui... Je vais pas pouvoir le choper de là. Et celui-là. Et celui-là. On va en garder vraiment. On va garder que la partie. Cette partie-là. Cette partie-là est plus intéressante pour l'instant. Du coup, forcément, le. Il y avait deux couloirs. Maintenant, il n'y en aura plus qu'un qui avancera. Mais l'autre sera bouché. Mais ça n'empêche pas que ça pourra descendre quand même. C'est juste que la foreuse va se bloquer parce que. Ben. Ça ira moins vite, on va dire. Mais ça, c'est pas gênant. C'est pas gênant. Mais au moins, ça consommera déjà moins. Il y a 3 machines en moins là-bas. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que ça consomme encore moins, on va dire. Lui, il a fabriqué quoi exactement là? Des plaques. Ah. Ah bah, je prends tout. J'en ai besoin des plaques, ça tombe bien. Ouais, bah ouais. Lui fabrique des plaques, donc ça c'est bon, faut le garder. Et eux ils fabriquent des tubes, et c'est vrai que les tubes j'en ai pas beaucoup. Il m'en faudrait un qui fabrique des vis quand même, non? Au pire je vais le mettre là. On va essayer d'en mettre un là. Constructeur, je crois que ça prend des plaques renforcées là, un constructeur, non? Ouais, il en faut juste deux, ça va. On va fabriquer deux plaques renforcées. On va faire l'installation de ça. Je réfléchis. Il va me falloir des vis. On va faire deux plaques.
Voilà. Le reste, je le ferai hors caméra. Mais là, je veux juste faire au moins ça. Alors, constructeur. Il faut que je le mette après le truc où j'hésite parce que faudrait que lui il me fabrique des vis. Le problème c'est que je l'ai enlevé parce que les vis ça va pas vite. Ça va pas assez vite. J'ai pas assez de charge d'escargot pour l'améliorer. Donc je pense que oui c'est ça, je vais le mettre après ce truc-là. Et on refera un autre conteneur plus loin, au pire on s'en fiche. Voilà, logistique, convoyeur MK1, hop, on l'envoie là-dedans. Alors forcément du coup ça merdouille. On va faire comme ça. Ça fait plus propre. Bon, c'est toujours le bordel et mal rangé, mais on s'en fout. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un conteneur. Un conteneur, ça coûte. Ouais, ça coûte pas très cher. Enfin, j'ai ce qu'il faut sur moi, c'est surtout ça le principal. Ouais. Donc, on va l'aligner un minimum quand même. MK1. On le met là. Et on le met là. Comme ça, là, j'ai préparé tout. Il n'y a plus qu'à mettre des vis là et un peu d'alimentation quand même. Ça fera pas de mal. Alors, le poteau, il est juste à côté, donc hop. Voilà. C'est impeccable. Et du coup, là, il n'y a plus rien dans aucune des machines apparemment. Ce qui est bizarre parce que en général, il y en a une qui s'éteint et du coup, après, il n'y a plus assez de jus, mais là, ils se sont tous éteints. Il n'y a que celle-là qui reste un peu de bois. Du coup, on va le couper en deux ou pas? Non, on va le garder entier. On va tout enlever puis on va aller chercher du bois. Pour le bois, je réfléchis là-dedans. Bah, tout est parti, hein, ouais. Et là-dedans, on a juste ça qui pourrait nous faire des. Ah, j'ai deux charges là. Ah, bah attends, ça change tout ça. Je les avais gardées pour la production et l'électricité quand j'aurai le charbon, mais en attendant, vu que j'ai pas de charbon pour l'instant, on va le mettre là-dedans. Je suis en train de réfléchir. Je vais en mettre un là-dedans à 100, à 150%, mais est-ce qu'il faudrait pas que j'en mette un pour le béton? Parce que je sais qu'il est lent, mais est-ce que c'est à cause de la foreuse ou à cause du truc? Je sais pas. Alors je vais le mettre dans la foreuse, on verra bien. Peut-être qu'avec 150% ça suffira. Elle est plus alimentée normalement, je l'ai coupée du truc, ouais. Parce qu'elle, elle sert à rien. Je l'utilise plus pour le moment parce que c'est, il faut 500 de chaque quasiment, ça coûte trop cher. Du coup là, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je prépare du bois et aussi que je crave des choses. Alors le bois, j'ai réfléchi comment je pourrais faire parce qu'à la main, je peux ramasser que les feuilles. Je peux pas couper les arbres à la main. Sauf que la tronçonneuse, elle coûte cher, il me semble. Hein. La tronçonneuse, elle est là. Il faut des vis et 5 plaques renforcées. Ouais, non, enfin, c'est pas si cher que ça. Mais après, avoir deux tronçonneuses, ça me sert à rien. Donc c'est ça qui est chiant. Ouais, bah ouais. Mais le problème, c'est que les feuilles, il n'y en a pas partout et pas beaucoup. Enfin, ça fournit pas énormément de carburant. Du coup, je sais pas comment faire. C'est vrai que j'ai pas de fruits. Je vais cueillir cela, hein, au cas où je me fais attaquer. Ça sera toujours mieux que rien. Il y en a que deux, mais c'est toujours mieux que rien. Voilà, au moins, si jamais je me fais attaquer. J'ai de quoi me soigner. Bon. Comment je pourrais avoir des feuilles, moi? Parce que le problème, c'est qu'il y a des bestioles un peu partout. Et puis les feuilles, j'en ai ramassé un paquet. Hein. Donc est-ce que ça serait vraiment pas mieux que. Ah oui, mais non, je peux pas avoir une tronçonneuse. Parce que pour avoir une tronçonneuse, il faut du carburant.
Ah ouais, bah j'en ai parce que j'ai ramassé ce qu'il y avait là-bas. Puis là, il y a des arbres à couper, donc... Ouais, vas-y, on va faire une tronçonneuse. Tant pis, il y en aura une en rave. Au cas où que je meure avec une radioactivité, j'aurai toujours une tronçonneuse d'avance, c'est déjà ça. Alors, il me faut 5 plaques renforcées, j'avais dit, et des vis. Donc les vis, de toute façon, il va m'en falloir un paquet. Je crois que c'était 150, on va en faire 150 déjà pour commencer. Ah non, non, faut que j'en fasse plus parce qu'il me faut 5 plaques. Alors je vais faire les 5 plaques d'abord. Et après j'en refais 150 vis. Ouais, c'est peut-être mieux de faire comme ça. Tac. Et ensuite je fais des vis. Alors ça va pas mettre trop longtemps, vous inquiétez pas. Là on est déjà bien... Ouais. 60, 80 et 90, 100. Tac, tac, tac. Allez, dépêche-toi. 50, voilà, c'est bon. Bon, là, logiquement, j'ai ce qu'il faut. Ah, c'était 160. Pardon. Autant pour moi. Je croyais que c'était 150. Bon, tiens, vas-y. C'est bon. Juste pour une vis, quoi. Il va me faire chier le machin. C'est bon, on peut construire ça. Voilà. Donc, hop, inventaire, tronçonneuse dans l'inventaire. Tac. Bon, c'est inversé, c'est bizarre. Allez, démarre la machine. Une petite tronçonneuse fixite. On va couper celui-là, il est moche. Hop. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Hop. Là, il y a des feuilles, mais quand on va couper l'arbre, de toute façon, ça va tout couper autour. Voilà, il en reste une. Hop. Il y avait des gros arbres qui traversaient la structure ici. Alors par contre, pour y aller, c'est un peu la merde. Voilà. Là, on est bien. Impeccable. On nettoie cette zone. Alors, sous cette structure de bidule là, je vais peut-être pas mettre. Au départ, je pensais mettre des fondations, mais au final, c'est pas trop à bon niveau, on va dire. Donc, ah, c'est pas si mal, hein, mais je préfère mettre par rapport à la foreuse qui est là-bas, à la limite. Ici, on s'en fout parce que de toute façon, on fera un escalier pour monter et. Et ici, tant qu'on peut accéder à la console, le reste, il y aura plein de trucs comme ça qui arrivent pour charger des pièces, mais on s'en fiche pas mal. On n'en a pas grand-chose à faire. Allez hop. Il a même pas peur le machin. Alors on a de l'eau ici, mais on pourra pas mettre toutes les tout le charbon ici. Donc ici, je peux mettre que 3 pompes à eau. Bon, logiquement, il n'y a plus d'arbres qui passent à travers la machine, donc c'est déjà bien. Là-bas, il y a des gros arbres, mais il y a des ennemis. Enfin, je sais pas s'il y en a encore, mais. Pendant un temps, il y en avait. Ouais, par là, il n'y a pas besoin, il n'y a plus d'arbres.
Alors soit les buissons ils repoussent ou soit je l'ai pas ramassé, mais là il y en a un, c'est sûr. Moi je pense qu'il repousse. Les pétales je m'en sers pas, mais normalement on peut s'en servir pour faire des peintures, pour colorer les bâtiments, tout ça, mais... Il n'y a que des fleurs jaunes, alors je sais pas. Bah on va couper les arbres qui sont là-bas, il y en a un paquet. De toute façon, dans la direction où j'ai mis les poteaux, là, il n'y a pas d'ennemis parce que je les ai déjà tués. Donc, d'un sens, je peux me diriger par là-bas. Par contre, j'ai pas trouvé le lac de flotte. Il y en avait un par là-bas, mais j'ai pas réussi à remettre la main dessus. Ah, c'est une grotte ça? Ah non, je croyais. Voilà. Ça nous en fait un petit paquet déjà. Bon, j'arrive pas celui-là. Trois bois, c'est tout, voyons. Autant le ramasser comme ça alors. Ouais, j'avoue. Bon là il y a d'autres fruits mais on s'en fout. Ah voilà, les machins ils se sont arrêtés ici. Il y a encore des fruits là-bas. On va nettoyer un peu la zone là où il va y avoir les bordels là. C'est bien c'est qu'ils ont mis des bouts de bois par terre parce que ceux qui n'ont pas de tronçonneuse c'est un peu la merde quoi. Et du coup c'est pratique. Tant que t'as pas de tronçonneuse, tu peux pas vraiment faire de trucs comme ça là. Des genres de rondins. J'adore parce que je dis des trucs comme ça, mais je vous montre pas donc déjà. Ça sert à rien. Je suis un peu idiot, mais bon. Alors là, ça descend. C'est quoi ça? Du charbon. Ouais, vas-y. Comment on fait pour miner déjà? C'est E. Ça me pique l'orteil. Aïe aïe aïe. Voyons, il est dur ce machin. Ah bah quand même. Il y a des minerais de fer là. Ouais, il doit y avoir des bestioles par là. Ça veut dire que je peux avoir encore plus de fer, ça c'est intéressant par contre. De toute façon, du fer il y en a partout. Le problème c'est de trouver de l'eau quoi. On va se cacher là-dedans. C'est quoi ça là-bas? Je vais sortir le taser au cas où, hein. On sait jamais. Oh, c'est un truc radioactif, ça, non? Il a une drôle de couleur, le machin. Il a une sale gueule. Bizarre qu'il n'y a pas de créature à côté, d'ailleurs.
C'est quoi ce bidule? Ah non, c'est de l'EME. L'EME, c'est un minerai bizarre. C'est pas radioactif, mais je sais pas à quoi ça sert. Bon, bah, il n'y a pas d'eau, hein. Il n'est pas par là, le petit lac. Pourtant, il me semblait qu'il était de ce côté, hein. Oh merde. Tu m'as pas vu, nananana. En plus, c'est vrai, il a pas dû me voir. C'était limite, je pense, mais il m'a pas vu. Ça se trouve, c'est derrière le rocher qu'il a là-bas. Ça serait possible, parce que par là, il n'y a rien. Hein. Voilà, ça c'est bon. Ici, il n'y a rien. Et puis le... Celui-là, il vient de là. Et celui-là, il vient de là-bas. Donc, je sais que là-bas, il n'y a rien. Donc au pire, je vais aller voir par là, mais bon, j'espère qu'il n'y a pas trop de créatures. Parce que mon petit Tizer, il est pas aussi puissant que les autres. C'est lui qui gueule comme ça ou c'est un autre cochon qui est caché quelque part là-dedans? On voit tellement rien. Oh putain, c'est encore pire qu'un cochon. Il n'y a pas d'eau, hein. Ah, peut-être par là-bas. Oh, par contre, là, il y a des cochons. Ouch. Oh putain, mais il y a tout le monde. Ah! Aïe. Ils me suivent plus? Ah! Oh bah en fait en courant ça suffit. Bon il n'y avait pas d'eau en tout cas hein. Il y avait juste des mobs. Ça m'arrange pas tellement. Parce que la seule flotte elle est là-bas mais elle est trop loin. Ouais faut vraiment que j'explore la prochaine fois. Parce que là c'est pas terrible terrible tout ça. Hein. Lui il m'a donné des nouveaux tickets. Bah vu qu'il est pas alimenté, il me donne rien du tout. Ouais. Bon, bah écoute, je réfléchis. L'EME, à quoi sert l'EME? On peut le stocker que par 50. Ah, on peut peut-être le scan, mais vu que j'ai pas de courant, est-ce que ça va marcher ça? Analyse terminée, c'était quoi? New object added to the object Je sais pas. scanner. Ah, il faut du soufre. Alors attends, j'en ai, je crois. Toi, tu m'emmerdes. Tu fais du bruit là. C'est bloqué ce tas de merde là. Il est tellement con. Ah, j'en ai pas assez, mince. Bah, tant pis. Bah, je vais ranger le charbon, je vais ranger. Bah, le ME, non, parce que je pense qu'il est. Il y en a là. Organisme. Métal inconnu. Arbre de recherche bloqué. Faut le débloquer ce truc-là. Et comment on débloque? Ouais, je sais pas trop.
couilles. Bah, je vais le ranger parce que je sais pas à quoi ça sert. Ah si, j'ai 3 tickets, bah ouais, je les gardais au cas où. Du coup. Bah du coup, on se retrouve tout de suite après parce que faut que je construise pas mal de trucs, donc le temps de faire tout ça, on se retrouve dans 5 minutes pour vous, dans 1 heure pour moi. Allez, à tout à l'heure. Voilà, du coup, on se retrouve pour la suite. Là où on était arrêté parce que bah forcément le craft c'est long. Il m'énerve lui, il fait du bordel là. Casse toi bordel, tu fais du bruit. Tu m'énerves. Ah chiant. Alors j'ai fait plein de trucs pour ça. Tac. Ça y est, c'est bon. Voilà. En gros, faut augmenter la foreuse de 2 et lui de 3 peut-être. Ou l'inverse, je sais plus. Lui, ouais, il a l'air de suivre. Ah, il est trop rapide. Bah, on va l'enlever là. Il est trop rapide. Non, il est trop lent, c'est ça. Parce qu'il y en a déjà 11. Ah oui, il était trop lent. Bon, après les vis, c'est pas gênant. C'est pas grave. J'ai plus beaucoup de béton. On va faire d'abord le béton et après on verra. C'est déjà mieux. Au lieu d'en avoir un tous les je sais pas combien, c'est déjà plus rapproché, c'est déjà un peu mieux. On va faire le béton d'abord et après on fera les vis, mais là pour l'instant les vis c'est pas gênant. Du coup j'ai relancé la production. J'ai fabriqué quelques petits bidules. Si je tape de ce côté là tu fais demi-tour ou... Non. Non t'es juste trop débile en fait. Ouais. Ouais, 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 du coup, j'hésite, soit à la base je la fais en haut là-bas, soit je la fais là, enfin, ouais, je sais pas. Bon, je pense qu'on va commencer par là, puis on verra.
mais j'ai complètement arrêté le cuivre, non? Pourquoi il s'est arrêté quoi? Hors tension, bah... Ah... Ah, j'ai dû couper la ligne là-bas. Ouais, bon, on verra après alors. Ah, il y a une limace là-bas? Il doit y avoir des mobs, mais intéressant. Il y en a même une là-bas, regardez. Ah, il y en a deux. Ouais, c'est quand même intéressant. Hein. En voilà une. Là, il y en a une même à l'autre bout là-bas. Et celle que j'ai vue tout à l'heure était moins loin que ça quand même. Il me semble. Parce que là-bas à l'autre bout, ça fait un petit bout quand même. Ça fait un petit bout quoi, ça fait un petit peu loin. Bon, après, ça se fait, hein. Ouais, il y en a une ici aussi. Mais celle-là, il y a des mobs. Donc. On verra une autre fois. On sait qu'il y en a deux, quoi. Et du coup, là, j'en ai une pour les vis. C'est pas dégueulasse. Alors. Fondation. On va faire des fondations de 2 mètres. Ça a l'air d'être pas trop mal. 2 mètres, c'est mieux qu'un mètre. Et c'est mieux que 4 mètres, parce que 4 mètres, c'est trop large. Le problème, c'est que là, je peux pas. Je peux pas vraiment la mettre en fonction que ça soit bien plaqué. À part si je la mets comme ça. Là par contre on a dit pourquoi il veut pas. Ah voilà. Il a bugué. Ouais, voilà. Là on va pas la mettre là parce qu'il y a le. Pour l'instant, il y a ça. Du coup, on va la mettre comme ça. Ah, j'ai plus de ciment. Hop.